pour traquer les autres. Oyez, oyez, mes chers amis, si vous voulez changer de SMG et pas forcément prendre des SMG de MW qui sont toutes rinçaxes et qui vont vous saouler au bout d'une game, je vous conseille sérieusement d'utiliser la FSS Hurricane qui était une très bonne SMG sur Warzone 2 parce qu'elle avait très peu de recul. Et j'ai vu notamment deux youtubeurs américains qui sont Beerpig et Korean Savage qui sont vraiment deux youtubeurs qui saignent Warzone, notamment Rebirth Island, et en qui j'ai énormément confiance, qui ont joué cette arme et ils ont claqué des dingueries avec. Donc du coup ils ont le même class setup à peu près les deux, et donc j'ai recopié simplement leur classe et j'ai voulu la tester moi-même en solo trio sur Resurgence avec un petit gameplay assez skill. Et voici du coup la classe. Alors c'est franchement full mobilité, full vitesse de visée avec du coup tout ce qui est garde-main, XRK, Edge, BW4, hein. En poignée arrière on a la poignée Phantom, en cross on a la cross Demo Quicksilver, et en laser on a le laser SL Razor Hawk, et on rajoute à ça le petit compensateur réducteur de flash M35 pour tout ce qui est contrôle du recul. Et je vous conseille franchement d'utiliser la classe parce que le chargeur est de base 50 cartouches et franchement ça s'applique à tous les modes, que ce soit du solo ou quads, sur Rebirth Island. Voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Sì, vabbè, ciao. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne charte, la résurgence est désactivée.